Fight very hard. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui s'appelle Dead by Daylight. Alors, ça c'est le jeu que Xu m'a acheté pour mon anniv. Un des deux, hein, puisque il y a Age of Empires aussi. Et vous avez été assez nombreux à me demander, aussi bien dans les commentaires qu'en privé, de faire des vidéos sur ces deux jeux-là. Au moins une vidéo découverte. Donc, je vais vous en faire découvrir un. Alors, ce jeu-là, il est bien pour jouer, surtout entre potes. Après, bon, bah, on peut jouer en ligne, mais vous allez voir, pour join un lobby, c'est assez casse-couille. Voilà, vous êtes obligé d'appuyer je sais pas combien de fois. Et des fois ça va aller tout seul, il y a des fois ça va faire du gros caca. Ouais, où il a planté, non, c'est bon, il a trouvé. Donc du coup voilà, ça se joue à 4 survivants plus un tueur. Et vous allez voir que c'est parfois très compliqué. Alors ça dépend des tueurs que vous avez en face, parce que vous en avez un qui peut se mettre en furtif. Alors vous allez pouvoir le percevoir quand même, mais ça va être plus compliqué et vous savez pas qui s'approche de vous. Et pour vous taper dessus, il est obligé d'enlever le furtif. Donc du coup, à ce moment-là, vous le captez, mais généralement, il est trop tard, à part si vous arrivez à l'éviter, essayer de le break et qu'il arrive pas à vous suivre. Mais généralement, ceux qui jouent ce perso-là, déjà, ils savent un peu s'en servir. Mais en plus, c'est très compliqué de leur échapper. Donc voilà, vous allez pouvoir voir un peu les dégâts des trucs parfois. Alors là, c'est pareil, le chargement. On se demande si ils prennent sur la code de celui qui a créé le lobby, ou si c'est sur un genre de serveur. Donc voilà. Ah, on commence bien, on commence dans les maïs, on va pouvoir faucher. Donc, normalement. Celui qui se met en furtif, il y a une espèce de cloche qui sonne plusieurs fois quand il passe en furtif, donc ça doit pas être lui. Ou alors le gars sait pas s'en servir. Voilà, vous avez des espèces de pics là. Si je peux, voilà, vous avez un pic là juste devant moi. Alors c'est là que vous allez vous faire accrocher si le gars vous chope. D'ailleurs, je suis un peu dans la merde, le voilà déjà. Je vais essayer de rester par là. Il est où cet enfoiros? Il est là. Il a posé son piège de merde. Un piège à ours. Il m'a pas vu. Allez, dégage de là. Donc voilà, quand il s'approche de vous, vous avez le cœur qui bat. Donc voilà, alors là, il a posé son piège à ours de merde. Faut faire gaffe de pas se le prendre. Donc voilà, là, il faut mettre en route des générateurs. Alors, faut mettre en route 5 générateurs pour activer la porte de sortie. Et ensuite, faut ouvrir la porte de sortie et se barrer. Mais là, ça se fait pas que en appuyant. Voilà, vous allez avoir des trucs comme ça et vous devez appuyer sur la touche espace. Si vous allez dans le petit truc blanc que vous allez apercevoir là, ou juste à côté, ça va vous faire monter un peu plus vite. Si vous êtes dans le truc transparent, ça vous fait avancer un petit peu. Par contre, si vous êtes à côté, ça va faire péter le générateur. Enfin, péter, ça va pas le faire exploser, hein. Mais il va faire un bruit à la con et le tueur va vous capter. Ils ont déjà allumé 2 générateurs, ils sont chauds, dis donc. Voilà, hop. Je vais me cacher parce qu'il va certainement venir, vu que quand vous allumez le générateur, il vous voit. Donc là, normalement, il vous capte pas. Tiens, le voilà. Il va venir voir ce qui s'est passé. Ah, c'est dommage, il s'est pas arrêté jusque là. Sinon, j'aurais pu vous montrer sa tête de neuneu. Donc du coup, il peut vous taper, avant que vous tombiez, il peut vous taper 2 fois. Donc là, je suis planqué dans mon armoire, je risque rien. Si je me fais taper une première fois et que je me colle dans mon armoire, mon perso va faire du bruit, ce qui fait qu'il va m'entendre. Donc c'est mort pour aller dans l'armoire quand vous êtes blessé. C'est quoi qui fait ce bruit là? Oh, c'est toi qui es pendu. Ah non, d'accord. Ah, lui il a un truc, ça c'est en passant des niveaux, vous voyez.
C'est un espèce de bonus qui s'appelle sabotage. Alors en anglais, je sais plus comment ça s'appelle puisque c'est écrit en anglais. Et vous pouvez enlever les pics. Ce qui fait que même si vous vous faites taper sur la gueule, il va vous transporter pour aller sur un pic. Et s'il vient sur celui-ci, eh ben vous allez vous faire un peu. Vous allez avoir de la chance, vous de votre côté. Et lui, il va se faire un peu baiser parce qu'il pourra pas vous accrocher. Merde, il m'a vu. Oh putain. À fond que ça tombe sur moi. Oh merde! J'ai fait le guet là! Donc là, il est parti sur quelqu'un d'autre, ça tombe bien, je vais le laisser se faire baiser. Plutôt que ce soit moi. Par contre, il décolle pas. De cet endroit-là. Oh putain. Oh, il m'a capté! Oh non! Donc voilà, là je me suis fait roper la gueule. Et voilà, là il va me transporter. Il faut appuyer sur AED. Alors désolé pour le bruit, hein. Faut appuyer sur AED pour essayer de se dégager. Et je ne peux pas me dégager. Et en plus, il va me camper. Oh, c'est la merde. Ah voilà, ça c'est vraiment le truc d'enculé pur et dur parce que voilà, il va me laisser aucune chance de m'en sortir. Là, il va mettre un piège à ours. Mais non, mais à travers la machine, mais putain, t'es sérieux là? Oh, sans déconner, il se fout de ma gueule ce truc. Il s'est pendu la patte dedans. Vite, 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 vite. Je me casse. Oh, j'ai pas eu le temps. Si, j'ai eu le temps. Ah, c'était chouette. Du coup, là, vous voyez un petit peu le stress que ça me fait. Du coup, on va regarder les autres où ils en sont. Il y en a un qui s'est fait taper dessus, apparemment. Ah, c'est bon, nice. GG. En fait, ça, il n'est pas obligé, hein. Ce coup-là, que les portes sont ouvertes, etc. Mais, en fait, c'est pour gagner plus de points. Alors, parfois, ça va vous être bénéfique, mais parfois. Si l'autre il vous rattrape et qu'il vous cogne la gueule, vous allez vous dire merde, j'aurais pu me barrer, alors que là, bah, je me fais un peu baiser quoi au final, parce que j'ai voulu faire le beau en gagnant plus de points et du coup, bah, je me suis fait choper alors que j'aurais pu assurer la victoire et assurer les points. Alors que là, qu'il se fasse choper ou pas, nous on a survécu, on a gagné nos points terminés. Alors moi j'ai eu chaud, hein, je remercie ceux qui étaient avec moi quand même. Mais le coup de. J'ai traversé la barrière, le trou. Ah merde, comment vous dire? L'espèce de fenêtre et je me fais taper de l'autre côté. Ah c'est dégueulasse. Par contre, après le coup où j'essaye d'aller à la sortie et puis que je me fais taper dessus mais que j'arrive quand même, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai pas gagné beaucoup de points mais au moins j'ai survécu. Donc ça c'est tous des bonus que vous avez à force de passer des levels, à force de survivre. Voilà. Donc là, voilà, vous allez gagner des points que vous allez pouvoir dépenser. Ah, ça c'est du bonus. Je pourrais pas en acheter un deuxième. Du coup, est-ce que je peux. Alors là, j'ai toujours rien. Mais je comprends pas parce qu'il y a des fois où on peut en ajouter et là, je peux rien ajouter du tout. C'est laid. Ah, parfois ça dure, hein. Oh, je clique comme un bébé. Ah, ça c'est un petit jeu franchement bien sympathique quand vous jouez entre potes. Il y a moyen de se taper des barres. Hein. Hop, et on est prêt. Oh ça va, c'est plutôt cool. Là tout le monde lance.
mais qui sont prêts à chaque fois, alors que des fois il y en a qui font exprès de vous faire attendre le maximum possible. C'est vraiment dégueulasse, ça. Donc ça, voilà, c'est le truc que j'ai ajouté. Alors, comme j'ai dit, le chargement doit dépendre des PC, je pense. Parce qu'il y a des fois ça va lancer super vite. Ah là, ça allait à peu près, mais il y a des fois vous attendez beaucoup plus de temps que ça. On est reparti. On essaye. Oh, voilà. Ça, c'est le tueur qui se met en furtif. Alors là, il n'y a aucun moyen que je l'entende arriver de loin. Les battements de cœur et tout ça. Par contre, quand il va arriver près de moi, vous allez voir. Même s'il est invisible, on arrive à le voir, mais généralement, quand vous vous voyez, lui, il vous a vu. Et il est forcément trop tard, vous avez plus qu'à courir et essayer de le brain. Alors, je sais aussi que normalement. Tiens, il en a capté un. Je sais aussi que quand je cours comme ça, normalement, ça fait des petites traces près des arbres, etc. Et il y a moyen pour lui de me capter un peu plus facilement. Ah là, il en a. Putain, il en a déjà couché un, hein, le salaud. Je vais essayer d'aller me caler par là pour lui filer un coup de main. Il va venir là, certainement. Même pas, putain, il aurait pu venir à ce pic-là, hein. Oh, il l'a mis en bas dans la maison. Ah, oh, ça, c'est dégueulasse. Alors, en bas dans la maison, il n'y a qu'un accès. Et une fois que vous avez libéré votre pote, faut ressortir par le même accès. Et ça, généralement, le tueur, il le sait. C'est lui que j'ai vu. Pourtant, il n'est pas en fufu, normalement. Là, je suis désolé pour lui, mais il va falloir qu'il essaye de se dégager solo. Oh putain, il est là. Oh, il m'a vu. Grosse pédale. Barre-toi de là, toi. Barre-toi. C'est après moi qu'il en a, c'est pas après toi. Comme ça, ils vont peut-être pouvoir aller libérer l'autre. Ça va être plutôt bien pour eux. Et non! Pas de chance! Il s'est remis, il va se remettre en fufu. Ce gros enfoiré rose. Donc j'espère qu'il soit allé libérer. Mais il en a capté un autre, je crois. Je vais quand même aller voir. Donc là, normalement, il est plus en fufu. Donc, même s'il s'approche de moi, je devrais l'entendre. Elle est où la caisse que j'ai aperçue tout de suite? Je sais plus. J'ai vu une caisse là. Ouais, normalement, là-dedans, vous avez des trucs peut-être pour vous soigner ou. Une connerie comme ça. Voilà, nice. Je vais essayer de me soigner tranquillement. Alors là, c'est pareil, de temps en temps, vous avez des trucs à appuyer. Voilà. Ah, il l'a remis en bas dans la baraque, mais il se fout pas de la gueule du monde. Ah, puis quoi, il s'est remis en fufu. Ça, c'est méchant. Oh merde, merde. Tiens, je l'entends. Il est par là, hein. De toute façon, il a pas bougé tant que ça, sinon j'aurais entendu. Ah, c'est ça le problème. Ah. Il est parti sur quelqu'un d'autre, je crois. Et moi, je le trouve abusé, ce gars-là.
Ah, il se remet en fufu comme un gros enfoiros là. Ah non, il se renlève. Ah, faut suivre parce que si des fois, si toutefois vous vous trompez hein, d'un coup, vous allez croire qu'il est en fufu alors qu'il n'y est pas. Et du coup, si vous croyez qu'il n'est pas en furtif, il a réussi à se soigner l'autre. Là, il se remet en furtif. Parce que si vous faites l'inverse, vous allez vous dire, ah ouais, mais je vais l'entendre arriver. Tandis que non, vous n'allez pas l'entendre arriver. Tiens, le voilà. Vous avez vu le... Voilà, vous avez vu le petit, l'espèce de petit machin, il y a que comme ça que vous pouvez le voir. Alors lui, bien sûr, si il a l'habitude de jouer survivant et que là il joue tueur, moi par exemple, là je pense que je jouerais tueur, je sors un petit peu les combines. Généralement, quand vous êtes survivant, vous longez le bord de la map. Et quand vous arrivez à allumer un générateur et que vous avez une armoire à proximité, moi je fais toujours comme ça, je me mets dans l'armoire et j'attends un petit peu que le temps se passe tranquillement. Autrement, en temps normal, pour essayer de trouver un générateur ou si j'ai pas d'armoire, je longe le bord de la map et je pense que je jouerai le tueur. Putain, ça y est, il aura apparu. Je pense que je jouerai le tueur. La première chose que je ferais, c'est longer le bord de la map pour voir s'il n'y a pas des ennemis. Là, il y en a un là à faire. Vite, 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 vite. Il n'est pas en fufu. Oh putain, il les a touchés les deux en plus. Ah si, il est déjà fait, quel con. Il a couché un allié. Le dernier générateur, pendant que j'ai l'appel, là, il est sur quelqu'un. Oh merde. J'ai failli me cuter. Ah, il l'a foutu dans la maison, ce gros enfoiros. Là, j'étais à côté, mais ça a pris dedans. Bon. Par contre, quand je vais l'allumer, il va se pointer directement sur ma gueule. Hein. Ah, vous avez des... Eh, merde. Ah là, vous pouvez être sûr que... Ah non, il est pas en fufu. Là, il s'approche de plus en plus quand vous avez la musique avec. Ah voilà, bah là, j'ai aucun moyen de savoir où il est, ce coup-là. Je suis... Il faudrait que l'autre aille libérer le deuxième. Ah, il y a moyen de vous libérer tout seul, mais c'est super compliqué. Moi, j'y arrive jamais. Ah, je suis sûr que l'autre, il va le laisser crever. Ah non, il s'est dégagé tout seul, il me semble. GG. Je voudrais bien savoir où il est, hein. Alors là, il n'y a pas de limite de partie, bien sûr. C'est soit vous êtes tous morts ou soit vous arrivez tous à vous barrer. Putain, il est où ce gros enfant? Ouais, il est loin. Il est parti sur quelqu'un d'autre. En plus, il l'a eu. Alors, ça fait chier.
Ah, il l'a pendu, pilote, il va crever directement. Ah, il s'est barré le deuxième. Ripperino! Et là, si je veux le faire chier un petit peu, j'attends la sortie comme une grosse pute. Puis dès qu'il se pointe, je me casse. Non, allez, tant pis, de toute façon. On peut plus sauver les deux autres, ils sont morts. Tiens, voilà. Là, il va se pointer comme un couillon. Il va voir que je suis là. Au revoir! Ah, c'est pareil, vous avez des ranks pour montrer à tout le monde que vous êtes fort, vous arrivez à survivre toutes les parties. Moi, généralement, j'y arrive pas. Le mieux que j'ai fait, c'est deux parties de suite où j'ai réussi à survivre. Donc, je suis pas prêt d'être au 1, parce que vous commencez à 20. Bon, ça c'est fait. Hop. Ah, ça c'est cool ça. Du coup, je vais regarder pour le prendre. Ah oui, j'avais oublié que c'était ça. Voilà. Bah, je sais pas c'est quoi, hein, donc. Allez, on en fait une dernière avant de couper la vidéo. Alors après c'est pas un jeu. Ah oh, putain ça y est. Ah, vas-y, ça. Il y en a un qui a... Celui qui a créé le lobby qui a foutu le camp, donc ça doit être le tueur, je pense. Putain c'est chiant. Du coup, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est pas un jeu à objectif, hein. What the fuck? J'ai cassé le jeu. Ah putain, c'est pénible. Bon, on recommence. Voilà, c'est ça que je reproche le plus à ce jeu-là, je pense. C'est pénible quand ça fait ça. Voilà, et hop. Ah bon, en plus on se voit en double, alors là, c'est chiant. Un peu bizarre, mais bon. En espérant que tout le monde n'a plus surpris et que je sois pas planté. Du coup, je reviens à ce que je disais. Je crois que c'est ça le plus chiant parce que vous allez spammer le bouton join a lobby comme un couillon et des fois ça fait planter le jeu. Du coup, ça c'est casse-burn. Donc voilà. Sinon c'est pas un jeu à gros objectif. Hein. Vous survivez, vous essayez. Oui, c'est un peu comme un ranked quand même puisque vous passez des rangs si vous arrivez à survivre 3 parties de suite en tout cas pour le rang numéro 20 parce que peut-être qu'après c'est encore plus il y a peut-être 4 de suite à gagner ou je ne sais pas puisque j'ai pas été plus loin mais voilà vous avez que ça sinon ouais, vous passez vos levels vous déverrouillez des trucs pour avoir meilleur temps enfin voilà c'est tout des petits trucs comme ça. Alors là, vous voyez le gros casse-burn qui attend bien la fin ça c'est chiant. Et si ça se trouve, il va se déco, comme ça, on sera que 3. Voilà, sur tous les jeux, vous avez des connards, hein, ça c'est habituel. Oh, c'est qu'on a un tas de bordel, dis donc. Chacun a amené son petit truc. Voilà, c'est parti. Alors, en espérant que le chargement ne durera pas 2 heures.
Ah, c'est bien ce que je disais. Il y en a un qui a un ordi qui est pas très puissant et puis. Ah non, j'ai rien dit. Ça va, c'est encore pas trop. Mais je trouve qu'on a de la chance d'avoir survécu au tueur qui est furtif. Parce que franchement, c'est super dur. Je crois que c'est le plus dur à survivre parce que vous l'entendez pas arriver déjà. Ah, des fois vous allez vous taper les trois quarts du truc sans avoir de. Sans avoir la touche espace à appuyer. J'en suis déjà presque à la moitié, j'ai rien eu. Je dis ça, puis au moment où je vais l'avoir, je vais le foirer. Ah, ben, j'ai eu chaud. Voilà, plein de trucs blancs, vous avez pu voir que ça montait plus vite. Il y a un coup, ça m'est arrivé, j'en avais 5 de suite. Un pote qui s'est fait shooter. Et avance, avance, avance. On le voit hein, de loin. On a pu l'apercevoir là. Nice. Ah voilà. Je l'ai le machin du sabotage. On va rester caché pour le moment. J'irais bien y faire enlever le truc du sous-sol. J'avais oublié que j'avais la boîte à outils. Ah, il y en a un qui s'est foutu la gueule dans un piège à ours. Pas de chance. Alors là, j'ai le générateur, mais je vais saboter le truc. S'est fait pendre. Voilà. Et deux, hein. Ça, c'est cool, ça. Ah, c'était au moins pour tester, hein. Je sais pas si ça a servi à quelque chose, mon affaire, mais. Du coup, je vais aller voir dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Juste histoire de voir, hein. En fait, ça, faudrait le faire près d'une porte de sortie. Le sabotage. Du coup. Merde. Ah, il s'approche. Ah, il m'a vu, putain, vas-y. Vas-y, course-moi, tu iras chercher ton pic loin hein, parce que je l'ai. Il n'y a plus de pic. Coucou! Oh merde, j'ai rentré dedans en plus. Alors là, je crois que c'était le pire que je pouvais faire. Et apparemment, j'ai des coéquipiers qui n'aident pas ceux qui crèvent donc. Oh, désolé pour le bruit, hein. Voilà, ils vont faire leur game à deux comme des gros fils de chien là. Si je me. Tiens, ben ça te dresse. Putain, vas-y. Je vais essayer de me barrer. Ah, il m'a pas lâché, hein. PD va. Et puis il va me camper. Si l'autre vient me libérer, ça va être. Putain, il est là-bas. Vite, 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 vite. J'ai eu chaud, hein. Ils ont été gentils, les copains.
Bah, il y en a qui s'est fait saigner. Et il y a des pits partout aussi. Ah, celui-là, il est saboté. Il va venir là ou pas? Ah, il va venir là. Il est là ou pas? Ah putain, il est là. Hein? Merde, il m'a vu. Putain! Oh, fils de chien! Il va me pendre, je vais me faire baiser direct, quoi. Alors parfois, à force d'appuyer sur A et D, vous perdez le rythme. Moi, ça m'arrive souvent, hein. Oh l'enculé, il m'a brain en plus. Salopard. Je suis en train de perdre le rythme, en plus il me descend dans la maison. Ah, je hais ça. Ah, c'est pour être sûr que je me barre pas, vous voyez. Ah, pourvu qu'ils arrivent à s'enfuir les autres. Ah, puis il met un piège à ours, ça. Comme ça, je suis sûr et certain que je me barrerai pas, je vais crever sur celle-là, c'est dommage. Par contre, à chaque fois que moi je me fais pendre, bon là il y a très peu de chances que je m'en sorte hein, déjà. Mais à chaque fois que je me fais pendre, il y en a qui arrivent à se dégager et moi je n'y arrive jamais. Donc là les deux autres vont pouvoir finir leur game, j'essaie de leur filer un peu de temps. Allez, Ripperino! Voilà. Tant pis! Bon, on va aller regarder les autres. La fin de la partie. Ah. Le mec, il l'a pas vu. Ah, si. Tu vas juste un peu faire. Faut juste que tu fasses attention, toi, parce que. Il joue avec, là, parce que c'est la fin de la partie. Hein. Il va se foutre de sa gueule. Hein. Devant la trappe. Oh les gros enfoirés, GG. Donc voilà. On va débloquer le petit point qu'on peut, puisqu'on a 5000 points. Un peu plus de 5000 points, 5950. À débloquer. Ah bah je peux pas ça. Hop. Et voilà. J'espère que la petite vidéo découverte vous aura plu. Si vous voulez que j'en refasse, j'en referai. Si vous voulez pas que j'en refasse, j'en referai pas. Y a pas de souci. À vous de me dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère que vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Quand même, malgré que peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!